le ciel de ton doux regard. Mamie, tu es mon phare, mon rempart. Également, et ça c'est important, applaudir Véro qui nous reçoit pour aujourd'hui. Ah bah attends, on va attendre. Applaudir Véro et applaudir la dernière personne qui est là. Et on va l'applaudir. Voilà. Et donc voilà. Sinon, rien de plus. Voilà. Donc voilà, allez, on va y aller. Je vais te laisser respirer un petit peu. Ouais, ouais. Voilà, pas hein. De soucis, c'est gentil. Alors, je vais commencer par toi. Non, je plaisante. Allez, je vais commencer par toi. Ouais. Pour qui tu serais venu éventuellement aujourd'hui? Alors, j'ai pas d'attente particulière. Bon, bah tant pis. Alors, je vais faire... Non, je plaisante. Non, j'ai pas d'attente particulière. T'as après, un... je suis à l'écoute de... T'as pas un défunt en... Alors, j'aurais bien aimé communiquer avec ma grand-mère Huguette. Oh, c'est marrant, j'ai eu une Huguette juste avant. Eh ben, on va prendre Huguette. Il y a des fois, il y a des courants, des choses comme ça. Ok. Ok. C'est une dame que tu as beaucoup connue. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Alors, Pascal me dit qu'elle te connaît bien, elle. C'est marrant, hein. C'est comme si... c'est fou parce que c'est une dame que t'as pas connue, mais elle me dit qu'elle te connaît bien. Comme si elle était tout le temps dans tes faits et tes gestes, elle me dit. Elle me dit... j'ai 2 mois, alors c'est drôle parce que j'ai 2 mois qui fusionnent. J'ai le mois de mars. Je sais pas si mars est un mois important pour toi. Pas spécialement. Pas spécialement. Et j'ai le mois d'août. Non plus. Pas spécialement. Et pour elle, peut-être que oui. Et le plus dur, en fait, dans les contacts, quand on connaît pas les personnes, c'est de pas pouvoir confirmer. Pour moi, c'est très compliqué. Oui. Mais c'est pas grave, on va continuer. D'accord. Est-ce que ça peut correspondre au décès de son décès à elle et le décès de son fils? Bah, Pépé est mort en mars, mais papy est mort en mars. Oui, oui. Donc, c'est, et tonton est certainnement mort en août. Voilà. Donc ça doit correspondre à ça. Voilà, merci madame. Ah, enfin, je pense que ça doit être ça, logiquement, du coup, maintenant. Oui. Pépé c'est mars et tonton serait août. Bon, alors ça c'est très bien, parce que ça veut dire que Huguette a reçu Pépé et l'autre c'est tonton, son fils, tonton. Du coup. Ouais. Voilà. Tonton et Pépé. Voilà. C'est juste une confirmation pour te dire, voilà, j'ai accueilli les deux. D'accord. Et je veille sur eux. Parce que peut-être que tu la connais pas, mais moi, cette dame, c'est quelqu'un qui est très maman poule et très protectrice, très cocooning, en fait, elle me dit. Oh, c'est beau. Elle me dit que le temps viendra où un jour vous allez faire connaissance, elle me dit. Mais c'est pas de suite. Elle me dit aussi que... c'est marrant. T'as récupéré du linge de cette dame? Non, j'ai pas du tout de linge, j'ai sa bague. Non, c'est... j'avais quelque chose de particulier avec le linge et la couleur blanche, en fait. Ben, prends-le, je sais pas pourquoi. Oui. Elle me parle de linge blanc. Le linge blanc. Comme si elle me montrait des serviettes et cette odeur d'adoucissant, de choses comme ça, dans le nez. Je sais pas pourquoi, mais elle me montre ça. D'accord. D'accord. Alors, c'est normal que ça résonne pas parce que tu l'as pas connue. Non, je l'ai pas connue. Forcément, c'est mon grand désespoir. Elle l'a pas connue, mais par contre, tout le monde. Tout le monde me dit que c'est, je suis comme ma grand-mère. En fait, c'est la réplique de sa grand-mère. Bah, je suis comme elle, donc. C'est pour ça que ses premiers mots, c'est je te connais. Je te connais bien. Bien plus que ce que tu veux penser, en fait. Elle te remercie d'être là. Elle te remercie que tu puisses prendre le message. Elle me dit. Ok, tu reçois des messages toi de l'au-delà et ça te bloque ou t'es bloqué ou quelque chose comme ça parce que elle me fait comprendre cette dame Huguette qu'elle recevait des messages et qu'elle était très intuitive. Voilà, ça parle, ça résonne. Bah, c'est qu'on me dit de le faire mais que je le fais pas. Ben voilà, ben je te le redis. Et les blocages en fait. C'est humain, donc débloque-toi et demande à Huguette de t'aider. Parce que c'est elle qui t'a transmis cette capacité. Elle me fait comprendre. D'accord. D'accord. Elle veut être très intuitive. Très, très, très intuitive. C'est pas bien grave.
En tout cas, sache que moi, je vais te donner les banalités, entre guillemets. Les signes, tu les as là, tu feras tes recherches. Demande-lui quand tu as des épreuves ou des choses comme ça, vraiment. Demande-lui, parce qu'elle sera là pour t'aider dans les tumultes de la vie, dans les moments compliqués où tu dis, j'aimerais bien déménager, ou j'aimerais bien aller de l'avant, ou des choses comme ça, ou j'aimerais bien que recevoir un peu plus. Tu lui demandes. Tu verras, il y a des choses qui vont se matérialiser. L'immatériel va devenir matériel, en fait, elle me dit. J'aimerais bien quand même qu'elle me donne un signe du présent. Elle me reparle du linge, c'est fou ça, pourquoi j'ai ça? J'arrive pas à le décrypter, il y a quelque chose de particulier. T'as un événement toi avec le linge ou quelque chose comme ça? J'adore les draps. Ah ben merci. Je suis une fan des draps. Mes cadeaux qui me font plaisir, c'est des housses de couette et. Mais c'est vrai, j'adore les draps. Bah ouais, mais je. Mais c'est peut-être ça. Bah oui, mais c'est ça. Bah oui, mais. Cherche pas. C'est terrible parce qu'elle revient, et tant que je t'ai pas donné ce signe, oui, vraiment de. Eh ben, cette mamie Huguette, elle aimait les draps et le joli linge comme toi. D'accord. C'est pour ça qu'elle me dit qu'elle te ressemble. D'accord. Et tu dois aimer, en fait, tu sais, le moment où tu mets le linge, où tu fais ce chose comme ça, il y a cette odeur. Oui, j'aimerais bien. je peux pas. Et pourquoi? Parce que j'ai un mari qui ne m'autorise pas. Non, c'est que je le fais tout le temps, en fait. Ah, d'accord, ok. Voilà. Intéressant, ça. Ben, très. Écoute. Si il faisait rien, tu râlerais parce qu'il faisait rien. Il en frappait trop. J'aimerais bien qu'il en fasse moins. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là pour ta mamie parce que, voilà, moi j'ai eu le signe vraiment où tu as fait waouh, ça me suffit. Hein? J'aurais rien d'autre. Il y a tout ça qu'il faut que tu cherches. Oui. D'accord? J'ai aussi le symbole du chat avec toi. Tu aurais pu avoir un petit chat ou quelque chose comme ça. Et elle? Oh ben avec un sourire quand même. Oui, non, je sais pas. certaines. Alors moi, je suis allergique aux poils de chat. Et ma grand-mère, oui, a certainement eu des animaux parce qu'ils étaient dans la ferme. Elle avait des chèvres, donc j'imagine qu'il y avait des chats aussi. Parce que j'ai un petit chat, alors pas un petit chat de gouttière, mais couleur noire avec elle. D'accord, c'est possible. Je demanderai à mon père si elle avait un chat noir. Ok. Le chat noir, c'est important aussi. C'est un signe de ta mamie. Ça veut pas. Un petit chien qui ressemble à un chat. Ah, peut-être, oui. Peut-être mon chien qui ressemble à un chat. Noir en plus. Il est noir? Ouais, tout noir. Tout petit. Ah, il fait 2,7 kg. Il fait 2,7 kg. Il y a des moments où il est un peu. Il est un peu chat? Non, un peu dans la lune, un peu. Oui. Un peu. Oh, mon chat. Il y a des moments où il est un peu dans la lune? Oui. Oui. Merci, bon, allez, hop, parce que de toute façon, on n'écoute rien. Non, je t'embête. Oui, c'est bien, heureusement. Oui, peut-être, je sais pas. Oui, si ben, en fait, elle capte ta mamie. Quand elle est comme ça, elle voit ta mamie. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et dans ces cas-là, tu dis, je sais que t'es à côté, mamie. D'accord. Et tu lui demandes les choses. Ah, d'accord. Vraiment. Super. Vraiment. Super. Je vais essayer qu'elle me donne autre chose. Un autre gros signe comme ça de reconnaissance. J'ai envie de te faire plaisir, tu vois. C'est dingue, ça. C'est gentil. Ouais. Hein. C'est tout pour toi. C'est ta mamie qui est ton guide familial. Merci. T'oublie pas de lui demander les choses, c'est très, très, très important. Très, très important. Oui. J'ai quelqu'un qui parle et qui vient qui aurait pu être dans l'achat d'un parfum ou quelque chose comme ça, qui a acheté un parfum là cette semaine ou il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps, nous. Oui, il y a un mois à peu près. Il y a à peine un mois. Bon, allez, je vais me retourner vers toi. Je suis désolé. Hein. Pas de soucis. Tu venais pour qui?
personne en particulier, mais si ma mère était là. Voilà, c'est la maman qui est là. Allez. Je sais comment elle s'appelait ? Chantal. Alors, attends. Ça, c'est bon. D'accord. Ouais, là, ça va secouer, je te le dis. Encore ? Oui, ça va secouer. Mais là, ça va secouer. Non, okay. Ça va aller. La première chose que ta maman, elle me dit. Elle me parle qu'elle va bien et qu'elle est réparée. Et que ça, c'est important. Il faut que je te le dise. Elle me dit qu'elle passera te voir dans les rêves. Parce que les rêves, c'est important pour toi. Elle viendra te dire « je t'aime » dans les rêves. Il y a quelque chose de particulier avec... Oh, c'est marrant. T'as des oliviers chez toi ? Non. Non. Je ne comprends pas pourquoi j'ai le symbole de l'olive ou de l'huile d'olive. Avec, je te le donne. Parce que c'est important. Elle me parle de l'huile d'olive ou de l'olivier. Ou il y a personne qui s'appelle Olivier. Si. Son ancien compagnon. Si. D'accord, ok. Elle me dit que elle ne t'oublie pas. N'est pas. C'est très simple pour moi, mais je suis pas dans le cas. Mais ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas de l'autre côté. Elle me dit qu'elle t'aime et qu'elle t'aimera au-delà de l'au-delà. Elle me dit. Elle me dit que. Ok, j'ai un mot avec la lettre J, juin. Ou janvier, c'est le mois de naissance de ma petite sœur. D'accord, on le prend, et juin, parce que je suis un peu têtu. Il y a quelque chose en juin avec un mois, avec très peu de lettres, elle me dit. Mon mariage avec... Eh ben oui, mais c'est important. Eh ben oui, c'est important. Elle me parlait plutôt du mois de juin, de votre mariage. Et j'ai cette phrase juste après qui me dit « Soyez heureux, mes enfants ». C'est comme si elle t'avait adopté comme une fille, en fait. Parce que, elle se retourne vers toi. C'était compliqué avec ta famille ou quelque chose comme ça ? C'est compliqué en ce moment. C'est compliqué en ce moment. Ça l'était à l'époque. Et ça l'était à l'époque parce que... C'est compliqué. Oui, mais alors, elle me dit, quand il y a ces complications, pense à moi comme, ça ne remplacera pas, mais comme si j'étais ta maman du ciel, elle me dit. Elle me dit, moi, je vous aime comme mes enfants. Parce que, à partir de maintenant, vous méritez votre bonheur. Vous méritez votre bonheur. C'est drôle parce que elle me montre aussi la maison. Je ne sais pas pourquoi. Vous devez acheter une maison. Il y a quelque chose avec le déménagement. Il y a 9 ans qu'on a acheté la maison. Mais... D'accord. Bon. Non, c'est quelque chose qui va venir. Je ne sais pas si vous allez déménager ou si vous allez faire des extensions ou si... Ou s'il y a quelque chose de particulier avec la maison, avec votre habitat, mais en positif. Hein, c'est pas du négatif, c'est vraiment du positif. Elle me dit... j'ai un prénom aussi avec la lettre S. Ma soeur Sandra. D'accord. Elle l'embrasse. Elle sait pas bien faire, elle sait pas bien communiquer avec moi, avec un médium, elle dit. Je fais de mon mieux. Elle me fait comprendre et elle me dit... j'espère que tu m'en veux pas. D'habitude, certains défunts donnent des noms entiers, des choses comme ça. Moi, je m'habitue. C'est la première fois qu'elle passe dans un médium, cette dame. Oui, parce que c'était par la Ouija. Ouais, c'était par la Ouija. Non, par quelqu'un de physique. Non. C'est pour ça. Ça va aller de mieux en mieux au cours de la séance. Elle. Ok, elle me dit qu'il faut que se souvenir de moi avec le sourire. Je sais pas pourquoi, mais elle me donne ça. Il y a quelque chose de particulier. Il y a une photo où elle est avec un blouson avec une espèce de grosse collerette, une moumoute ou quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Chez toi, il y a la photo. C'est pas un manteau, mais c'est une robe à fleurs avec un col. Un col. Et le col est assez gros, assez oui, imposant. Quand même, assez imposant. Parfait. C'est la photo qu'elle aime et c'est la photo que tu as bien choisie. Mets-lui une bougie de temps en temps, parce que ça, c'est important, elle me dit. Et elle me dit, il y a une fleur à côté d'elle, juste une fleur, une rose ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus, tant que j'en ai une poupée sur une photo. Ah, ne m'en dites pas. Est-ce qu'il y a un espèce de tout petit vase en porcelaine ou quelque chose comme ça? Elle me montre ça. De poser à côté la photo, ouais. Sur la photo. Ouais, ou de pas loin. De poser à côté de la photo, oui. Sur cette photo-là ? Non, pas sur la photo, à côté. À côté de la photo.
Ah oui, oui. Oui. Il y a un espèce de petit oui. vase en porcelaine. Oui. N'oublie pas de mettre une jolie rose de temps en temps, ça me fera plaisir. Tu sais que j'aime les roses, mon fils. Tu sais que j'aime les roses. Et si tu veux pas t'embêter, tu mets une rose éternelle, et comme ça, ça durera la vie. elle me dit... Ok. Elle me parle du mardi. Vous devez faire quelque chose, mardi ? D'important ? Bon, je sais pas. Je l'ai noté. Ça reviendra. Mardi dernier, j'ai eu un rendez-vous important. Oui. C'est enfin, quoi ? Pour moi, important. Oui, bah, c'est... Donc, ce qui est important pour toi est important pour ta maman, c'est quoi ? Parce que c'est elle... pour un nouveau poste dans mon entreprise. Ok. T'as une réponse ? Non. Non. Bah, tu... Normalement, c'est positif si elle me le donne. Normalement. Peut-être qu'ils vont t'appeler mardi prochain. Écoute, what else? Et si c'est le cas, bah, tu, voilà, tu penseras vraiment que il y a eu une pensée divine ou quelque chose comme ça. Allez, s'il te plaît. C'est une désincarnation, il y a combien de temps, ta maman ? C'est récent ? Non, ça fait 17 ans. 17 ans, d'accord, ok. Bon. Allez, Chantal. Ok, elle... Elle me parle d'anniversaire aussi. Il y a quelque chose qui arrive, un anniversaire pour vous ? Anniversaire de rencontre, de mariage, de choses comme non, ça ? Non, c'était le mois dernier. Là, il y a une autre fille qui vient d'avoir 14 ans. Et on prend ? En juillet ? C'est ça ? Oui, c'est le 7 juillet. D'accord. Ah. Et, ben... Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une, d'une cousine à moi. D'accord. Ouais. La fille de sa sœur, dont elle était très bien, proche. Ça. Bon, et ben vous l'embrasserez de sa part. D'accord. Parce que les ta maman, les anniversaires, c'était, ça devait être important. Oui. Elle devait jamais louper une fête, parce que ou un anniversaire, parce que c'est voilà, elle me donne les choses. Elle a deux doigts de me donner quelque chose de pas mal. Là. Vas-y. Ok. Elle me dit qu'elle passera par les heures miroirs. Je sais pas pourquoi, mais tu dois voir des heures miroirs en double. Moi, c'est trop souvent que je les vois. Ouais. Ok. Et j'ai cette heure de 18h qui vient. 18h. Allez, vas-y. 18h15, ça parle. Comme ça, tout de suite, non ? Non. C'est noté, c'est enregistré, tu chercheras. Je sais pas pourquoi j'ai cette heure-là. 18h15. Toi, ça te parle ? Non. Bon. Ça prendra sens. Ça prendra sens. Ok. Elle n'avait pas une espèce de grande horloge dans sa cuisine, si. Quelque chose comme ça. Voilà. Vous l'avez gardée, cette grande horloge dans non. la cuisine ? Là, je vais pousser la chose plus loin. Est-ce que tu as une photo de cette horloge avec ta maman dessus ? Je crois que sur l'une des deux photos, vous êtes tous les deux. Il n'y a pas l'horloge ? Eh bien, vous allez regarder ouais, l'heure qu'il y a sur cette horloge. Oh, putain. Et voilà. Je vais regarder. Alors, si je me plante d'une minute, vous ne m'en voulez pas ? Non. Ou si c'est 15, ou si c'est... C'est 15 dans l'autre sens. Ouais, ou si c'est... c'est moins le quart. Ou si ouais. c'est comme... C'est, si c'est, normalement, l'horloge, ça doit être comme que ça. Soit à l'équerre. Voilà. D'accord. Il y a quelque chose d'équerre, mais je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça. D'accord. Vous m'enverrez un message si c'est bien. j'ai... D'ailleurs, l'horloge, elle est pas ronde. Non. Elle a une chose bizarre en fait. Elle est. Oui, c'était. C'est une horloge. Ouais, c'est des vieilles horloges. C'était une chose un peu comme ça. Ouais, si, ça ressemble à ça. Ouais, voilà. Donc normalement, l'heure, je dois avoir la bonne. Ok. Vous y arrivez. Le moment où cette photo a été prise, c'est le moment où ta maman était bien. Voilà. Donc quand tu veux te rappeler de ta maman, tu te rappelles de ce temps-là, d'accord ?
T'as une photo de ta maman ici? T'as ton téléphone? Je suis pas sûr. Si, bon, si, normalement, je le demande pas, mais là, elle me demande de si je peux avoir une photo d'elle. Et elle veut me montrer. Tu sais, celle qu'on avait prise chez Corinne, la photo qu'on a prise en photo avec le téléphone derrière, et que je t'ai envoyée. Mais... Elle me montre aussi une photo d'elle où elle est en pull avec une grosse étoile. Ça parle, ça? Ça va être bon, quoi, ça. Je sais pas. Je vous le mets. Un espèce de t-shirt ou un pull à manches longues avec une étoile, une grande étoile qui fait. D'accord. Voilà. Sur Facebook. Je te l'avais envoyé sur Messenger. Ouais, ouais, mais avec tous les messages qu'on s'envoie. Non, mais c'est pas grave. C'est à la fin. Ouais, je regarderai, voilà. Et puis si je la retrouve. Ouais. Bon, elle me parle de l'étoile. Je sais pas pourquoi. Vous chercherez. Et j'ai vraiment beaucoup de remerciements. Merci à vous. Merci d'être là et de ne pas m'oublier. On n'oublie pas une maman, mais c'est important qu'elle vous donne tout ça. J'ai quelque chose vraiment avec le parfum aussi. Ils aiment bien passer avec les parfums. Tu dois des fois sentir peut-être l'odeur de ta maman qui passe comme ça. Et c'est important parce que c'est signe de réconfort pour ta maman. J'ai le prénom de Germain, ça parle. Comme ça, moi. Non. Est-ce que vous pouvez regarder quelle est la date de la Saint-Germain? Je suis désolé, J'ai passé. Des fois, ils me font des jeux de piste. Ok. Vous avez eu l'idée? 28 mai. 28 mai, est-ce que ça parle? Ah, bah ça m'a mis du parfum, moi, Saint-Germain. 28 mai, c'est. Ah oui, 28, c'est rien. C'est la date d'anniversaire de son dernier compagnon. Merci. Le 28 mai? Oui. Elle n'arrivait pas à me le dire, elle est passée par la sainte, par la fête en fait. D'accord. Hein? Il est toujours incarné, ce compagnon? Oui. Alors, ta maman a quand même une pensée pour ce monsieur. Je ne sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Mince, j'allais. Je pense que c'est tout. Ah, si, c'est ça. D'accord, c'est bon. Vous êtes dans le projet commercial pour vous? Pour avoir votre entreprise ou quelque chose comme ça? Non. Je cherche à me reconvertir, mais. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'ai quelque chose avec la restauration. Vous n'avez pas eu l'idée d'ouvrir un restaurant ou quelque chose comme ça? Non. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Elle connaissait personne qui était restaurant ici? Mon parrain qui a travaillé tout le temps dans un bar, et le dernier, c'était un restaurant qu'il a vendu il y a pas très longtemps. Oui, son frère. Ok. On l'a vu la semaine dernière. Vous l'avez vu la semaine dernière? Elle était à vos côtés? Oui, elle était avec nous. Ouais. Non, mais la maman. Ah, et ils en ont fait une pizzeria? Non, c'était un resto pour les ouvriers. D'accord. Eh bien, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose avec la pizza. Bon, vous regarderez l'horloge et vous regarderez la pizza. Elle devait peut-être aimer les pizzas, cette dame. Aussi. Oui. Parce qu'elle n'a pas changé, elle me dit. Allez, je pense que c'est tout. Et c'est tout. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, je vais hop, vers toi. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Quel est ton prénom? Tiffel. Bonjour Tiffel. C'est un très joli prénom, Tiffel. Merci. Il y en a pas beaucoup. Non, c'est vraiment rare. J'ai envie de rire avec toi, je sais pas pourquoi. Ah, bon. Non, mais t'as une énergie joyeuse, je sais pas. Par contre, tu vas décroiser Emma. Ouais, parce que voilà, faut se détendre. Comme on dit, on se détend la moule, parce que sinon, il n'y a rien qui passe, on va dire. Tu serais pour qui? Soit ma maman ou soit pour ma cousine, Raphaël. Laquelle des... Alors, moi avec toi, j'ai quelqu'un qui a mis fin à ses jours volontairement. Pas dans mon entourage, pas dans... Ça parle à personne d'autre? Bah, moi, j'ai mon grand-père. Ou mon père, ouais. Audrey. Ok. Alors, je... Hein? Ok. Je vais aller vers toi. Je te garde au chaud. Ok. alors,
J'ai vraiment cette personne qui a mis fin à ses jours volontairement et qui veut te dire aujourd'hui qu'il va bien, qu'il ne t'oublie pas. J'ai beaucoup de ça. Alors, des fois, je me répète, mais c'est parce qu'il me le donne. Qu'il ne t'oublie pas et qui veut te dire vraiment qu'il t'aime énormément et qu'il t'aime fort, vraiment. Et que c'était important qu'il vienne te parler. Il me dit, je vais beaucoup te dire des banalités parce que j'étais quelqu'un d'ordinaire. Et c'est... Et c'est comme ça qu'il faut que je te dise et que je te parle. Il me dit, je vais me répéter, mais t'en avais l'habitude, j'étais un vieux schnock et je me répétais souvent. Il me dit, mais je vais bien, moi, maintenant, je vais bien. Il me dit, j'ai le prénom de Louis, ça parle ? Pas du tout, mais c'est pas grave. Je te le donne quand même, mm-hmm. C'est ma chanson, je te le dis quand même. Ça marche. Voilà. tu aimes Patrick Bruel, toi ? Bon, pas spécialement. Pas spécialement. Non. Cette chanson n'est pas passée il n'y a pas longtemps ? Patrick Bruel, assis dans mon institut, j'ai une cliente qui m'en a parlé. Ben voilà, c'est pour ça. Ok. Et ben voilà. À ce moment-là, ce papy était à côté de toi et tu n'en as même pas pris conscience. Non. Il me dit, on fait ce qu'on peut. Moi, j'essaye de te donner des signes, tu ne les vois pas. Toi, t'essayes de rentrer en contact avec moi et des fois, je n'entends pas. Il me dit, je t'aime plus que tout, je t'aime. Écoute, il est très chanson, il dit comme un fou, comme un soldat. Alors c'est. Il est un peu comme toi en fait. tu vois, ça vient très chanson. Tu travailles en institut ? Ouais. Bon, t'as dû aussi peut-être entendre Lara Fabian il y a pas longtemps, quelque chose comme ça, parce que il est bon. C'est peu importe si ça te vient pas, mais en tout cas. La musique est importante aussi pour ce monsieur. T'es allé chez lui pour prendre peut-être le goûter ou des choses comme ça. Ouais, j'allais chez lui une fois par semaine. Voilà. Il s'excuse en fait parce qu'il te donnait des gâteaux qui étaient un peu secs. Un peu oui, c'est vrai. Quoi. Il me dit ça, je vais m'excuser de ça parce que tu les mangeais, c'était vraiment pour nous faire plaisir. Oui, c'était pour faire plaisir. Je l'ai su quand je suis passé là-haut, je voulais m'excuser parce c'est que je crois que c'est le seul chose qui veut s'excuser. Alors tu vois, il y a des fois, il y a des grands secrets de famille. Toi, c'est le mystère du cake ou du pain d'épices. C'était du pain d'épices. Avec des morceaux de fruits. Voilà, c'était... voilà. C'est marrant, il montre des choses avec toi comme un jeu de cartes, comme si tu tirais les cartes ou il y a. Non, je jouais aux cartes avec ma grand-mère. D'accord. Je joue à la bataille. Oui, mais ça, c'est bien. C'est des jolis souvenirs qu'il a embarqués. Ou s'il n'était pas là, c'est les jolis souvenirs qu'il voit et qu'il regarde de là-haut. Il me dit. J'ai quelque chose de très rigolo là. Ça me va, ça me plaît. Ça. Tu es célibataire ? Non. Alors je te pose la question. C'est pas. Bon, il me dit rien sur ton compagnon. Il ne l'a pas connu. Non, mais des fois, il me dit qu'il valide ou quelque chose comme ça. Il est sans avis, en fait. Il me dit, il me fait comprendre que c'est ton choix, que c'est ta vie, et que si tu es heureuse avec, bravo. Voilà. Le bravo, il a dit ? Oui. Ah oui ? Pourquoi ? Non, je ne sais pas, bravo. C'est bizarre, bravo. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas, je trouve que c'est bizarre comme... Ben non. Ah, d'accord. Bravo. Parce qu'il est heureux pour toi, bravo. Il me redit que lui il est bien et qu'il est bien. Qu'il est bien désenglué de toute pensée terrestre. Il me dit moi maintenant. Voilà. Il aurait pu accueillir un fils ou quelque chose comme ça, ou un neveu ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai quelqu'un d'un peu plus jeune avec lui. Qui est parti ? Oui. Ah oui, s'il a accueilli. Bah ouais, non, je vois pas. Bon. Je comprends pas où il veut en venir, mais c'est pas grave. Il me montre. J'ai une âme un peu plus jeune avec lui, je sais pas.
je sais pas pourquoi, mais j'ai une âme un peu plus jeune, et il me fait comprendre que avec cette âme un peu plus jeune, il accueille des gens qui sont partis comme lui, pour les guider, pour lui montrer le chemin de l'au-delà. Il me dit, okay. Il me dit oui, moi j'étais un homme ordinaire, mais maintenant je suis devenu quelqu'un qui guide. Il me dit, et c'est comme ça. Il me dit, je te guide dans ton quotidien, et je les guide dans leur évolution, il me dit. Il ne fumait pas, ce monsieur ? Non, il n'a jamais fumé de ça. D'accord. C'est fou parce que c'est comme si... Il y a quelque chose de particulier, toi, avec le tabac ? Parce que ça vient et... Bah, j'ai arrêté de fumer. D'accord. Parce que j'ai perdu un ami de ça et je me suis coupée pour fumer. Exactement. Exactement. C'est ça, l'ami qu'il a récupéré à côté. Qui était plus jeune que ton grand-père. C'est Karim. C'est qui ? Karim. Ok. Il est avec Louis, Karim, donc c'est un jeune homme qui est plus jeune que Louis, que... Comment il s'appelle ? Mon grand-père ? Oui. André. André. Je ne l'ai même pas demandé. Moi, j'étais parti, Louis. donc les deux, en fait, accueillent ces âmes qui ont eu des parcours compliqués, des suicides, des choses comme ça. Et Karim, il est fier de ça. Parce que, pareil... Les deux, ils se sentent exister de l'autre côté. Vraiment. Et j'en reviens à la cigarette. Tu dois des fois avoir des odeurs de tabac, de choses comme ça qui viennent et tu ne sais pas d'où ça sort. D'où ça sort. Et bien, c'est... Bon, c'est pas André, mais c'est Karim qui te fait un petit coucou et qui te dit qu'il est à côté de toi. D'accord. C'était qui, Karim, pour... C'est un ami qu'on a rencontré en Suisse. D'accord. Ok. C'est marrant parce qu'il doit toujours avoir le smiley, ce monsieur. Tout le temps. Parce qu'il... C'est ça. Je le vois trop faire ça. Et d'ailleurs, tu dois avoir une photo, vous êtes que tous les deux. Avec Karim ? Oui. Au lac, ouais, peut-être. Voilà, Ellie. Ouais, elle est comme ça, c'est vrai. Voilà. C'est Karim. C'est la photo qu'il aime. Ah ouais, non, on n'est pas que tous les deux, je vois c'est laquelle, on est comme c'est, ça. C'est la photo qu'il aime, okay. C'est là. Ah ben là, il est avec toi, donc il me... Ouais, mais je suis à côté de lui, tu sais, moi, des fois, c'est juste comme ça, et puis j'ai pas... Ouais, mais c'est vrai que c'est moi qui tire dans ses bras. Voilà, il aime cette photo parce que ça... C'est mon frigo. ça montre toute l'émotion qu'il peut avoir par rapport à toi, et toi par rapport à lui. Ok. Eh bien, les deux, c'était guides familiaux. D'accord. Voilà. T'aurais aimé avoir, je ne sais pas qui, bah, c'est les deux, c'est Karim et André. Ok. C'est André qui a démarré, parce que André, c'est un vieux de la vieille, il me dit de l'autre côté. Il me dit, c'est un vieux de l'au-delà, il me dit. Je suis devenu un vieux grincheux de l'au-delà. et Karim, ça fait combien ? 5 ans, 6 ans ? Qu'il est parti ? Oui. Ah non, ça fait moins. D'accord. Eh bien, je suis très content parce qu'il s'est bien fait à l'au-delà. C'est une âme qui... C'est comme si ça faisait 5-6 ans qu'il était parti. Et souvent, c'est à cette époque-là que tu commences à avoir des vrais signes très, très forts. Vraiment. Il m'a fait dessiner un cœur. Je sais pas, c'est rare que j'ai des... Il m'a fait dessiner un cœur, Karim. Il n'était pas tatoué, hein, ce monsieur ? Non. Je sais pas pourquoi il m'a fait dessiner un cœur. T'as un tableau avec un cœur ou quelque chose comme ça, chez toi ? Non. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ok. On le prend parce qu'il m'a fait dessiner. Ah ouais, c'est vrai. Le corps ? Je vais me faire tatouer un tatouage et j'hésitais entre la fin, une étoile ou un cœur. Eh bien, ta réponse, je me l'ai dessiné. Ok. C'est un cœur. Voilà. C'est pour ça que j'avais ce chose du tatouage, en fait. Merci, madame. De rien. Écoute, je vais te prendre comme assistante. C'est clair, t'as tout choisi avec la finition de truc. Ouais. Parce que j'ai posé la question à la semaine. Eh oui. Alors moi, ça me réconforte parce que André et Karim, c'est vraiment tes deux piliers, ils me disent. Ok. C'est vraiment tes deux piliers. Je pense que c'est tout.
je sais pas pourquoi j'ai ça. Il y a quelqu'un qui est kiné ou qui fait des massages ou des choses comme ça par chez toi? À toi. Tu moi, je suis esthéticienne. Tu fais des massages? Ouais. Bon, alors au moment où tu fais des massages, il est à côté de toi. Je rigole pas parce qu'en fait, tu dois faire des massages et inconsciemment, tu dois donner de l'énergie aux gens. Et ben, c'est Karim et André qui t'aident dans ces massages énergétiques. D'accord. Voilà. Et tu demandes protection tout le temps à Karim et André. Ok. Si tu y penses, hein, parce qu'après, ouais. Après, on fait comme on peut. Hein. Je pense que c'est tout. Oh, c'est marrant. T'as ton entreprise esthétique, c'est ouais. Ça? Ok. Tu dois virer quelqu'un chez toi? Non, je suis toute seule. T'es toute seule? T'as eu des soucis avec des employés il y a quelque temps? Quand je travaillais avant en Suisse, oui. Ouais. Ouais. Des vrais connes. Ah, c'est carrément, c'est ça. Des vrais connes. Voilà. Okay. Hein, il voulait avoir cette petite chose un peu rigolo. Qui, ouais, il était comme ça, en fait. C'est ça. Karim. C'est tout. Merci. Merci. Allez, je reviens à... Mademoiselle à Tiffany. Non. Tiffany. Je vais me faire engueuler. La vache. Non, mais t'as le droit, j'avoue que... La fatigue se fait ressentir. Pas. Allez. Tu m'as dit que t'étais venue pour... Soit ma maman ou ma cousine. Est-ce que je peux avoir le prénom de la maman? Michel. Et la cousine? Raphaël. Laquelle des deux était un peu perturbée par les cheveux ou quelque chose comme ça? J'ai quelque chose avec les cheveux. Est-ce que l'une des deux avait des cheveux bouclés ou quelque chose comme ça? Ou beaucoup de cheveux? Ma fille n'avait pas été dérangée par ses cheveux. Après, ma mère a eu un cancer. C'est la maman. Les premiers mots qu'elle me donne, elle me dit j'ai retrouvé mes cheveux. Voilà. je pense que c'est oui, c'est... oui, ses cheveux, ça l'a. Voilà. Ouais, c'est important. Et elle me dit prends soin de toi, comme si. Prends soin de ta santé, elle me dit. Ouais. Ça, c'est une phrase qu'elle devait dire et qu'elle devait redire. Et elle te redit ça. Elle me dit mais t'inquiète pas, je veille maintenant au grain, puis elle me fait un petit clin d'œil comme ça. Elle me dit qu'elle t'aime fort. Bon, c'est normal, c'est une maman, mais oui. Je te le donne quand même, oui, et ça, non, mais... c'est important. Elle me parle de... Elle habitait un petit village. À Levroux. Oui, c'est un petit village. Ah, oui, oui, d'accord, petit parce qu'elle me dit, j'ai la nostalgie de mon plus joli petit village, elle me dit. Ah, oui, c'est tout à fait ça. Elle me dit, et elle me dit, bah oui, mais t'inquiète pas, je tiens à toi, tu sais, pour pas faire d'impair, en fait. Elle devait toujours, en fait, oui, un peu être sur les œufs pour pas contrarier, pour pas, si elle demande quelque chose, enfin, si elle dit quelque chose, de pas... De faire attention, oui. De faire attention. Oui, elle est très, très méticuleuse dans comment elle parle et comment... Oui. Elle a pas changé. Elle a pas changé. C'est marrant parce qu'elle me dit... Moi, maintenant, je m'occupe d'enfants de l'autre côté. Ah, elle accueille les... Ouais, les enfants. Les enfants. Ouais. Et elle me dit, c'est une belle mission qu'on m'a donnée. Oui, et elle me dit, c'est marrant, pourquoi j'ai ça? Elle me dit, elle annonce en fait, quelle âme va redescendre sur Terre pour les mamans, elle me dit. D'accord. Alors, c'est pas anodin. Elle avait eu peut-être des difficultés à avoir des enfants, cette dame. Non. Pas du tout. Je comprends pas pourquoi elle me parle d'enfant et pourquoi elle vient sur ce chemin-là. Je ne sais pas. Je pense que je veux un deuxième enfant. Ah. C'est peut-être pour ça. Bon, et pour ben... l'instant, j'ai pas le père, donc ça va alors, être compliqué. Écoute, c'est un détail. Ce n'est qu'un détail. Le père, c'est un détail. Oui, c'est un détail. Écoute, tu vas en boîte, tu fais comme toutes les autres, tu te drogues et puis non, mais ça, je disais que je rêvais d'avoir un deuxième enfant. Donc... Tu l'auras.
Avant 50 ans, elle me dit. Non, je... avant 40 ans déjà. Avant 40, oui, elle m'a dit avant 40 ans. Ah. J'ai un peu exagéré. J'ai le prénom de Fabrice, ça part? Fabrice. Non, là, je vois pas. Je te l'ai noté, des fois ça. Non, ouais, je sais, tout ce qui passe, tout ce qui passe, j'en vois. C'est important ça. Prends le frère à Didier, tu l'as pas connu? Non. Quel âge il a ton petit bout? 4 ans. 4 ans? Et il s'appelle? Elisio. C'est trop joli. Je regarde si elle a quelque chose à dire à. Ouais. Elle a connu le papa des Isio? Oui. Bon, je suis désolée, mais elle l'appréciait pas du tout, le papa des Isio. C'est pas. Ah, elle m'a jamais dit clairement. Bah, de toute façon, non, elle me l'a jamais dit. Elle te l'a jamais dit, mais. Elle te le dit, là. Elle te le dit. Oui, bah maintenant, oui. Voilà. Maintenant, elle. Et pourquoi elle ne l'apprécie pas du tout? Bah, parce qu'il te rend pas heureux, tout simplement. Heureuse. Bah, de toute façon, je suis plus. Oui, mais c'est pour ça. Une fois que c'est passé, c'est passé. Ouais. Ne va pas lui dire, parce qu'après j'ai des coups de fil. Oui, qu'est-ce que t'as dit? Vous rigolez, mais ça m'est déjà arrivé. Hein. Oui, qu'est-ce que t'as dit à ma femme? Que j'étais un salaud? Bah oui, t'étais un salaud. Bah, assume. Ah, c'est marrant. C'est drôle parce qu'elle me montre. T'as vu ce que j'ai fait? Oui. C'est des choses, des arbres. Des plumes? Ouais. Oui. Ouais, aussi. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, bah, c'est ce que je te disais, que je trouvais plein de plumes. Voilà. Partout. Elle me l'a fait dessiner. C'est les heures miroirs, j'arrive pas à t'en voir. Les heures miroirs, elle me l'a pas montré, mais les plumes, c'est important. D'accord. Et il faut qu'elles soient. Au moins, il y a de couleurs, au moins, c'est. Les blanches, c'est impeccable. Bah, j'en ai trouvé dans la maison. Donc... Voilà. Les blanches, c'est important. Oui. Oh, c'est drôle. T'as quoi comme voiture, une Austin, une petite Mini ou quelque chose comme ça? Non, là j'ai une. J'ai même plus les mots. Un cache-carré. Non, non, c'est pas là. Sa soeur, elle avait une petite voiture et tu l'as eu après, tu l'as cassée. C'est la Switch. La Smart? Non, c'est pas Swift. La Swift que t'as. Elle l'a cassée. D'accord, alors c'est ça qu'elle me montre et. Et bon, c'est pas grave, c'est les aléas de la vie. En fait, elle me montre ça, c'est juste un signe de reconnaissance supplémentaire. D'accord. Pour te dire que c'est bien Michel. Oui. Je me fais engueuler parce que j'ai oublié. Ouais. C'est un signe de plus pour te dire, voilà, tous ces signes de reconnaissance, quand elle te dit je t'aime, au moins ça prend sens. Okay. Ouais, ça, c'est très important pour moi. Et j'ai le mois d'octobre. Oui, ça... Et ben, ça me parle pas. Ça viendra. Okay, okay. Anniversaire. C'est pas vrai, le, non. Je sais pas, le jour où elle est partie. Non, elle est partie. Le jour où elle est née. Non, le mois où elle est née. Il y a eu plus longtemps. Bon. À chercher. Octobre. Le jour où on a les clés de la maison. Je vois que ça. Les clés de ta maison? Ouais. Elle était là, cette dame? Oui. Pas anodin, ça. Je sais pas si c'est ça, mais... Bah oui, c'est le jour où tu as eu ta maison. Ouais, bah clé, oui. Oui. Bah oui, mais c'est un mois important, c'est un jour important pour elle. C'est un bel anniversaire, quand même, le jour où tu as eu ta maison. Bon, c'est ma soeur, mais après, c'est... mais non, après, je vois pas au mois d'octobre. Non, bon. Alors, non, tu chercheras peut-être que ouais, c'est autre chose, mais... Façon, mais parce que quand je te le dis, ça résonne, mais pas suffisamment. Je le sens quand c'est ça. Mmh. Bon. T'as encore des biberons chez toi? Des biberons? Des biberons d'enfants? Bah, dans des cartons, oui, mais oui. J'en utilise plus, mais ça devrait être... Et pourquoi tu les jettes pas, elle me dit? Oui, bah... Je... ça va très vite. Bah, c'est dans le grenier, de toute façon, donc oui, je sais pas où c'est, d'ailleurs. Bon, voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. Elle t'embrasse? Moi aussi. Elle te... Elle viendra te voir dans les rêves, elle me dit. Oui.
Okay. Voilà. Tu peux lui poser une question? Ah non. Hein? Non, non, c'est pas ta mère. Non. Bon. Mais. Non, je plaisante. Non. Mais non, mais je suis l'ex-copain en fait. Non. Tu sais. Et en fait, il est là. Le tout, c'est que le jour où elle est partie, en fait, moi je l'ai vue, elle est venue me dire au revoir. Donc, je voudrais savoir. Pourquoi elle est venue voir Loïc la nuit? Est-ce que c'est une certitude? Est-ce que j'ai. Je sais pas, elle me le donne pas. D'accord. Okay. Elle me le donne pas. Elle me le donne pas. Et est-ce que je peux poser une dernière question? Ah oui, si je peux te répondre avec grand plaisir. Si elle a vu Rafi. Si elle est allée avec Rafi. C'était qui Rafi? T'as cousine? C'est ma cousine. Oui. J'ai pas d'infos sur cette dame. Et moi, je peux lui dire juste bisous, tata. Oui. Il y a une chose qui est importante, c'est que vous n'avez pas besoin de moi. Vous pouvez envoyer des mots comme ça. Moi, je vais pouvoir vous répondre. Ouais. Eux, ils ne vont pas pouvoir vous répondre en direct, mais il faut leur parler, même dans la tête, même parce qu'il faut... Les faire vivre. Il faut les faire vivre, voilà. Et parce que vous les faites vivre, ils vivent de l'autre côté. Mmh. Okay. Après, c'est très personnel, mais une âme qu'on oublie, c'est une âme qui est sur le chemin de l'errance en fait et de la parce que vous savez ils sont c'est une joie quand ils viennent nous accueillir même si c'est dur de c'est juste un passage, c'est juste on change d'état, on passe de glace à de solide à gazeux, c'est un peu ça en fait et puis c'est tout. Ok, j'ai aussi avec toi le symbole de l'abeille. Et t'as quelque chose de particulier avec l'abeille? Après ça c'est l'été quoi qu'on en voit. Comme s'il y avait peut-être Elle n'avait pas un nid d'abeilles qui s'était formé chez elle ou quelque chose comme ça? Ah si, moi j'en ai trouvé un l'autre jour dans les buissons, à la maison antine d'abeilles. Un peu comme ça? Oui, un tout petit. Ouais. Un petit. Oui, bah, c'est à l'échelle. Oui, bon. Et ben, ta maman, elle était là, à côté de toi. D'accord. Elle voulait te dire, j'ai pas Raphaël, je suis désolée, j'ai pas. Non, bah si. Je l'ai pas et elle me donne pas d'éléments. Oui, bah. Je sais pas pourquoi. Elle est partie de quoi cette jeune fille? Avec son voiture. Ah, j'ai pas. J'ai pas. Non. Non. Je veux pas. Je veux pas quand c'est. Non, quand je force, après je commence à mentaliser et voilà. Allez, merci. Je vais faire pour toi. Et après pour toi. Allez. On y va. Tu serais venu pour qui toi? J'avais pas d'attente en particulier non plus. Et toi? Moi non plus, personne en particulier. Ouais. Je vais pas la voir non plus. J'essaie toujours, mais. Tu es ma grand-mère, sinon. Ouais. Comment elle s'appelle? Marcel. Okay. T'étais proche de cette dame? Hmm. T'étais fusionnel ou quelque chose comme ça? Enfin, tu y allais souvent? Ah oui. C'était récurrent en fait. Ouais. Ok, là par contre je vais avoir le contact. J'aime bien les mamies moi, un peu comme ça. Les mamies qui sont très protecteurs en fait de ces petits enfants. Ça va? Oui. Bon. Elle me dit. Elle me dit qu'elle a de la chance aujourd'hui de pouvoir te parler et que. Pourquoi t'as pas pensé à elle de suite? Quel est votre défunt préféré? T'as dit, oh, je sais pas, je vois pas. Ben non, c'est que j'ai répondu. Elle me fait les gros yeux. Alors, oui, mais c'est que je veux pas forcer les contacts parce que moi, je suis déjà venu plusieurs fois pour la voir ici et du coup, je me suis dit, je veux pas me focaliser. Oui, mais c'est elle. Parce que c'est elle, c'est ton guide familial et tout et tout. Ouais. Elle me fait comprendre en fait que aujourd'hui, il faut que tu prennes conscience que tu as des capacités et que tu dois les utiliser. Mais il faut pas que tu te mettes trop de pression, elle me dit, des fois tu reçois, tu comprends pas, c'est pas grave, on te demande pas de sauver le monde. Non mais vraiment. c'est recevoir c'est simple, traduire c'est compliqué, elle me dit. Elle me dit et si tu transmets pas c'est pas grave,
Elle me dit, allez. Cette dame, elle me parle de l'année 1984. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je suis né en 86. Ouais, ma femme est née en 84. Eh ben, c'est très bien. Ça me va. Elle l'a connue. Hein. Elle l'a connue. Elle t'appréciait. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Eh ben, elle t'apprécie toujours. Oui. Moi aussi. Tu m'as bien sauvé. Ouais, mais c'est les premiers mots, tu vois. C'est les premiers mots. Je pense que t'as beaucoup de ta grand-mère, toi. Au point de vue énergie, au point de vue peut-être entretien de la maison, tu devais. Je pense que j'étais une femme dans une autre vie, peut-être. Eh ben, écoute, c'est très bien. Et allez, on ferme la parenthèse. Un bon médium, il doit avoir ce côté féminin. Je referme la parenthèse. Allez. Un petit travail. Hein. Mais vraiment. C'est très, très, très important. Ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas pourquoi je reçois ça. Vous avez parlé de l'affaire de la femme qui s'est fait tuer, la blonde là. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça vient. Daval, ça vous parle? Non, Maud suit l'affaire depuis qu'elle est sortie. Depuis toujours, je suis l'affaire. D'accord, ok. Alexandra, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais ça résonne, ça vibre là d'un seul coup. C'est marrant parce que Marcel, elle aimait les potins, les choses comme ça. C'était la ferme dans la Creuse, donc le fin fond de la Creuse. Donc oui, elle aime bien tous ces. Les trucs de la montagne, elle lisait tout le temps. Oui, elle lisait les journaux. Peut-être qu'elle suit ça aussi de là-haut. Elle suit ça de là-haut, mais à côté de toi. D'accord. Ah, oui, parce qu'elle est très passionnée. Oui, bah, je suis passionnée, chacun son truc. C'est bien, c'est des signes forts, ça, je suis content. Oui. Parce que c'est pas des signes comme des bagues, des choses comme ça. Mm-hmm. D'ailleurs, regarde le grand médium. Regarde. Elle t'a pas donné une bague, cette dame? Allez, Marcel. C'est fou parce qu'elle est. Bon, elle est avec toi, c'est ton guide familial. Mm-hmm. Mais elle devait bien t'aimer, cette dame. Ah oui. Ouais. Énormément. Elle devait bien t'aimer. Mm-hmm. Parce que tu rends son petit heureux, tout simplement. Je sais pas. Je sais pas si je l'ai envie. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur le savoir-vivre. Oui. Ouais. C'est une mamie un peu à l'ancienne qui t'apprend, qui devait aimer te raconter des histoires le soir. Qui me tempérait sur certains, même plutôt dans l'adolescence, qui me tempérait sur des comportements, des réactions, la façon de voir les choses. Ouais. Elle me parle aussi d'un événement avec une grenouille, je sais pas pourquoi, mais. Avec une grenouille. Ça te parle? Oui, j'allais souvent à la pêche dans une mare à grenouilles. Il n'y a pas de poisson avec des grenouilles. Mais... bah ouais. Mais c'est les jolis souvenirs qu'elle a embarqués, qu'elle garde en fait cette dame. Elle me parle du mois de mai. C'est marrant, hein. Mais elle me parle du mois de mai. Bah notre mariage. Et elle était là. Elle était là. Mmh. C'est un joli souvenir qu'elle a embarqué. Et elle me parle aussi de Alice au pays des merveilles. Notre fille Alice. D'accord. Ok. Eh ben, c'est très bien ça. Je pense que c'est tout. Et tu avais acheté la bande son d'Alice? Non. Non. Parce que j'ai cette musique d'Alice. Au pays des merveilles. Ah non, c'est pas Alice. Tout le monde veut devenir un cat. C'est les Aristochats. Les Aristochats, ouais. Ouais. Moine, c'est sûr. Non. Décidément, les chats, ça me suit. Hein. Oui. J'en achète un, moi. Non. Bon, tu le prends, tu le... Voilà, tu le... Je pense que c'est tout. Je peux lui poser une question? Ah oui, vas-y. Elle m'entend quand je l'appelle, justement? Oui. Ouais. Oui. T'as pas besoin de moi, hein, pour lui poser des questions. Oui, non, mais là, j'ai besoin d'une traduction, en fait, de... Vas-y, dis-moi. Non, mais quand je l'appelle pour certaines différentes choses... Oui, elle t'entend. D'accord, ok. Et elle me répond? Normalement, elle te répond. Ouais. Alors, après, il faut traduire. C'est un peu... Ah, c'est un peu compliqué, travail, mais... Hein. Mais oui, elle te répond. Elle te répond et c'est marrant parce que... Elle t'aime, mais... Je, je,
Je vais vous laisser, Simon. Non, non, non. mais c'est pas en même temps, j'ai connu jeune Loïc, hein, il avait 16 ans. Hein. Ouais, donc, c'était son petit bébé encore. Mais oui, mais c'est... Tu vois, c'est, elle se retourne vers toi et pas elle est en admiration, mais elle a un profond respect pour toi. C'est fou, quoi. C'est fou, comme si... Je ne serais même pas à le traduire, en fait, comment... il aurait fallu que tu le vives, en fait, mais elle c'est tellement important que tu prennes soin de son fils que ça n'a pas de prix pour elle, de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'elle... Elle en est reconnaissante. Elle en est, ouais, c'est une forte reconnaissance, en fait. Tu peux lui demander des choses aussi, même si c'est... Ouais. Et après, j'avais une question aussi sur les... Oui. Puisque j'arrive à faire quelques... Enfin, barrer des brûlures, faire partie des virus, choses comme ça. Est-ce que du coup, est-ce que c'est elle qui m'aide? Oui, c'est elle qui t'a transmis le canal. Bah, on me l'a donné, pas par le biais de quelqu'un d'autre, mais je sais. Ouais, mais elle avait quelque chose aussi. Oui, ouais. Ça je sais. Et chaque fois que tu démarres tes prières, tu lui demandes protection. Tu as la prière avec ça, voilà, et après tu demandes la protection. Ok. Ouais. Super. Voilà, c'est génial. Tout. Parfait. Et c'est tout. chaque fois, je l'oublie de le faire dans les conférences. Allez, je regarde. Tu veux? Je vais regarder ce que j'ai pour toi. Il reste une personne. Il reste une personne. Je vais voir ce que j'ai. Toi, tu savais pas pour qui tu étais venu. Hein. C'est ça le problème. Alors, on va voir. Remarque, après, tu as eu un message de la maman aussi. Oui. Tu m'en veux pas si j'ai rien? Non, si c'est pas grave. Bon, on reste amis aussi. Oui, bien sûr. J'attends. C'est important pour moi parce qu'après. Il faut bien que je choisisse mon crayon. Il y en a pas assez, je pense. Non, mais en fait, au début, j'en avais que quelques-uns, et puis je me suis rendu compte qu'au bout du... Que j'étais addict au crayon. Non, oui. c'est que quand j'en avais peu, en fait, au bout d'une heure et demie, ils étaient tous... Eh oui. Et donc, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Comme ça, je suis sûr d'en trouver un taillé. C'est taillé, voilà, c'est ça. Allez. Ok. T'aurais pu, alors, c'est vraiment. Et si tu me dis non, c'est pas qui va se passer ça. C'est ce que je reçois. C'est pas quelque chose qui va arriver. Surtout, fais gaffe. Hein, d'accord. T'aurais pu être en souffrance, peut-être médicale ou quelque chose comme ça. Je le suis constamment depuis des années. D'accord, ok. Bon, alors. Je sais pas qui me parle, mais c'est pas grave. J'ai une voix qui me dit que t'es quelqu'un de forte, que t'es quelqu'un qui fait au mieux pour te libérer de ces souffrances médicales et que tu essaies de demander à la haut. Mais bon, je sais que c'est compliqué de tout ça, mais essaie de demander à la haut parce que ça peut faire des miracles, voilà. Cette petite voix, je ne sais pas qui me parle, mais on s'en fout. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de prends soin de toi et beaucoup de sois fier de ce que tu es aussi. J'ai le mois d'avril, ça parle pour toi. Je ressens une fois, je sais pas pourquoi. Décidément, je vais le coller à toutes les sauces le mois d'avril. Mais tout de suite. Et j'ai ce chiffre 26 qui vient. 26 avril. Non, c'est pas en corrélation. Non. 20 avril ou 26. Après, voilà. Bon. C'est des chiffres qui sont sortis et des mois qui sont sortis souvent ce soir. Je sais pas pourquoi. Bon. Le chose que je reçois, c'est
demande-leur un peu plus souvent et peut-être qu'il y aura des miracles. Voilà. Peut-être. Ça sera trop beau. Et oui, mais tu pars négatif. Et ça, c'est fou. Ouais, ouais. Bah, même si c'est qu'à force d'accumuler, on part forcément négatif. Eh ben oui, je me doute. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi. Mais en tout cas. C'est déjà beaucoup. Parce que ça me prend une grosse partie de ma vie, du coup. Ouais, et ben. Je sais que c'est. Alors, c'est peu, c'est que quelques mots, mais quand tu te dis, voilà, que tu vas pas bien ou des choses comme ça, eh ben écoute, peut-être que je parle à ton guide spirituel, là, parce que j'ai pas de nom, eh ben tu lui demandes. Tu penses que c'est une femme, ton guide spirituel? Je sais pas. Moi, j'aurais plus dit un homme. D'accord. Ouais. Alors, bon, bah, c'est pas bien grave. Moi, j'ai une voix féminine. Mais c'est possible. Qui me parle. Tu demandes et puis tu voilà. Quand tu vois que t'es un peu en souffrance ou quand ça va pas ou des choses comme ça, tu envoies les choses. Mmh. Tu te libères de tout ça. Alors, peut-être que ça fonctionnera pas, mais qui tente rien n'a rien. Mmh. D'accord. Je pense que c'est tout. J'ai un événement avec du dentifrice, je sais pas pourquoi. Dentifrice. Oui. T'aurais pas oublié d'acheter du dentifrice? Alors si, ça m'arrive très souvent. Merci madame. Ça m'arrive souvent et en fait je gueule parce qu'on a chacun notre dentifrice. Mmh. En fait ils prennent tout le temps le mien et je le planque pour pas qu'ils en aient. Voilà. Parce que ça m'énerve. Je voulais juste ce signe pour que tout ce que je t'ai dit avant, ouais, ça soit cohérent. Il faut que j'achète du dentifrice. Du coup. Voilà. Si. Et c'est tout. C'est tout pour moi. Merci. 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 Si vous avez des questions. Sous le ciel de ton doux regard, mamie, tu es mon phare, mon rempart, t'es ma idée, une histoire à raconter. Dans tes bras, je me sens aimé. Ma douce mamie, lumière de ma vie. Ton sourire, un soleil qui me guide ici. Chaque instant avec toi, un trésor précieux. Ma douce mamie, je t'aime tant, tu es merveilleuse. Les contes au coin du feu, tes paroles d'or. Mamie, tu es mon refuge, mon port. Avec toi, les jours sont doux et sereins. Ton amour est un lien divin. Ma douce mamie, lumière de ma vie. Ton sourire, un soleil qui me guide ici. Chaque instant avec toi, un trésor précieux. Ma douce mamie, je t'aime tant, tu es merveilleuse. Et même quand le temps file loin de nous, ton amour reste fidèle et doux. Dans chaque souvenir, chaque rire partagé, mamie, tu es mon éternité. Ma douce mamie, lumière de ma vie. Ton sourire, un soleil qui me guide ici. Chaque instant avec toi, un trésor précieux. Ma douce mamie, je t'aime tant, tu es merveilleuse. Sous les étoiles, je fais un vœu, que tu sois toujours heureuse et joyeuse. Ma douce mamie, ton amour sans fin restera gravé dans mon cœur, doux et serein. Ma douce mamie, lumière de ma vie.
chaque souvenir, chaque rire partagé. Mamie, tu es mon éternité, nité. Sous les étoiles, je fais un vœu que tu sois toujours heureuse et joyeuse. Ma douce mamie, ton amour sans fin restera gravé dans mon cœur, doux et serein.